Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Franchement, je suis contente parce que je peux de nouveau filmer avec la lumière du jour. Donc aujourd'hui, une vidéo que j'avais fait, que j'ai fait il y a quand même un moment, mais j'ai décidé de l'actualiser tout simplement parce que mon alimentation a changé et aussi tout simplement il y avait des nouveaux produits que j'avais envie de tester. Donc j'ai pris le petit déj et puis un repas du midi, j'ai pris un goûter, j'ai pris toute la journée le repas du soir. Donc pour le petit déj, j'ai pas réussi à choisir, donc j'ai pris des gaufres. J'en ai jamais vraiment entendu parler de ces gaufres, donc on va voir si elles sont bonnes. Et j'ai pris ça. Alors c'est un smoothie, normalement il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, donc je me demande si je vais pas faire que la moitié. Ça dépend comment ça se présente à l'intérieur, est-ce que c'est des blocs directement avec tous les fruits déjà mixés, ou est-ce que c'est vraiment tous les fruits séparés. Je vais voir, parce que j'ai peur que ça fasse beaucoup les boules. Je vais regarder quelle taille ça fait. Elles sont élaborées en Belgique et fabriquées en Angleterre. Ouais, bon, elles sont épaisses mais je pense que je vais quand même en prendre deux parce que à mon avis c'est super léger. C'est au grille-pain. C'est parti. Je vais déjà voir pour les fruits. En sachant que je vais mettre un peu de protéines parce que sinon le fruit ne sera pas du tout protéiné. Et ça se présente comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a que les bananes et le chocolat qui est séparé. Voilà, comme ça je vais me faire un petit smoothie avec des protéines. Là il faut mélanger avec de l'eau. Je vais me faire les gaufres en plus. Parce que comme j'ai envie de goûter les deux, j'ai peur que ça passe trop. Désolée pour le bordel qu'il y a là, mais bon, faut bien faire sécher la vaisselle quelque part. Alors franchement, ça me donne trop envie. J'ai mis de la mangue avec du yaourt copeux de beurre d'amande, ça me donne trop envie, mais je vais commencer par le smoothie. Vous voyez, finalement, la moitié d'un sachet, ça fait quand même une belle quantité. J'ai mis un peu plus d'eau et des protéines. Il est très bon. Mais je vais vous mettre le prix. Il me semble que j'ai payé ça plus de 2 euros. Je trouve que pour la quantité qu'il y a dedans, autant le faire nous-mêmes en fait. Mais c'est bon, c'est très très bon. Petite goutte de matcha quand même. Et bon, ça c'est bien si on veut, par exemple, on n'a pas le temps. On met ça dans le mixeur le matin, on emporte dans notre mug dans la voiture et puis voilà quoi. C'est parti pour goûter la gaufre. Les gars, j'arrive pas. Et j'ai plus de place sur ma carte SD. Alors en termes de goût, c'est pas voilà, je pense que pareil, ça va pas nous tenir au corps d'une manière extraordinaire. Et ça peut carrément dépanner. Genre pour faire un brunch le dimanche, etc. C'est plutôt cool. Donc maintenant, si je préfère pas le smoothie quand même, en termes de goût. Écoutez, je vais engloutir ça et puis je vous retrouve pour le repas du midi. Rien ne s'est passé vraiment comme prévu ce matin, c'est n'importe quoi. Donc là, il est midi 12, je suis encore en pyjama alors que c'était pas du tout prévu. Je devais même aller chercher mon drive à 11h15 et j'y suis pas encore allée, donc c'est pas grave. En plus là, j'ai trop faim, je voulais reprendre la caméra seulement quand j'étais préparée, mais honnêtement, j'ai trop faim. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais manger mon repas et comme j'ai prévu un petit dessert, je prendrai le dessert juste avant de partir pour aller chercher mon drive. En fait, je vous explique rapidement. Bah alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter mon plat. Et puis je papoterai en mangeant. Alors, hop, par contre, il faut que je fasse gaffe parce qu'hier, je suis allée chez l'ostéopathe. Et j'aimerais éviter de trop solliciter mon dos parce que c'est là où il a vraiment travaillé. Donc, hop. Alors, j'ai pris un des plats équilibres. Alors, j'avais déjà pris des plats équilibres, mais jamais celui-ci. Donc là, j'ai pris falafel boulgour aux petits légumes et crémeux de légumes verts. Enfin, moi, ça me donne... trop envie, ce sera pas au goût de tout le monde hein, clairement, parce que ça reste quand même quelque chose de très healthy. Après leur plat équilibre, honnêtement je sais pas si je pense qu'en termes de macro ils sont bien, mais je l'ai pas pris pour ça en fait, j'ai surtout pris parce que c'était veggie. Donc écoutez, on va faire chauffer ça, apparemment c'est 5 minutes 30 à 900 watts. Sortez la barquette sans percer ni enlever les percules, faire que l'autre indiqué, les repasser opposés. Ok, bon écoutez, on va mettre ça pendant 5 minutes 30. Je vais aller chercher mes affaires, comme ça une fois que je termine de manger, hop, je vais filer à la douche. Ah, je viens de me pincer. Ah, ça fait mal. Ouh là 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 là. Bon, ça donne moins envie que sur l'image. Ce soir, je vais essayer de faire ça directement dans une assiette parce que là, vraiment... Ouh. Hop, je vous montre un petit peu. Voilà à quoi ça ressemble.
Oh, putain, ça brûle. Bon, l'avantage, c'est que là, en... Allez, 7 minutes, c'était réglé. Goûter ça, et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, si, ce matin, en fait, j'avais... Faut savoir, bon, je démissionnais, etc., ça, vous le savez. Et donc, là, je travaille en tant que vendeuse, et en parallèle, je prépare aussi une reconversion. Donc, avant mon... Enfin, je vais partir un mois à l'étranger, mais je prépare une reconversion à mon retour. Je vous précise pas la reconversion, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, ben, Pôle emploi, je me souviens que la première fois que j'étais au Pôle emploi, ils m'harcelaient, ils me mettaient des formations obligatoires. Enfin bref, voilà, et j'ai eu peur que ce soit un peu le même cas, sauf que là, bah, j'avais zéro nouvelle. Mais en même temps, j'avais envie que d'avoir quand même, qu'ils sachent quand même ce que je fais, éventuellement qu'ils m'aident pour trouver la formation qui me convient. Et donc j'ai pris rendez-vous la semaine dernière, j'ai contacté déjà une école. Bah là, je voulais en échanger ce matin avec la conseillère qui est censée être là pour m'aider à trouver les formations. J'ai rendez-vous à 10h30, 10h35 personnes, 10h40 personnes, 10h45 personnes. J'ai dit bon bah je vais appeler. Là la dame, bon, clairement n'a pas pu m'aider. Voilà. Et après donc j'ai fait un long mail à cette personne qui devait m'appeler. Et elle m'a appelé immédiatement en me disant bah je suis désolée, j'ai eu un empêchement, est-ce que je peux vous appeler demain matin? Donc en fait j'ai perdu une bonne demi-heure de mon temps à attendre. Et on va dire que j'avais aussi mal estimé le temps que en fait dont j'avais besoin pour faire ce que j'avais à faire ce matin en allant chez mon drive. Bon, limite là c'est n'importe quoi. Bon bref, je vais goûter, je vais d'abord tout goûter séparément. Donc là c'est la petite semoule avec les légumes. Ils sont forts parce que franchement la semoule elle est encore un petit peu croustillante. Ça c'est bon. Donc ça je crois que c'est genre une purée de légumes ou je sais pas quoi. Ça c'est bon. Je pense que ça se mange avec les falafels. Et on va goûter une falafel. Et honnêtement, Picard, ils ont quand même pas mal de plats veggie. Mais souvent, c'est des plats qui sont pas vraiment protéinés. Donc ça, c'est dommage. J'ai l'impression qu'ils font pas encore de tofu. Alors peut-être qu'on peut pas surgeler le tofu. Je sais pas du tout. Et donc, je trouve ça dommage qu'il y ait quand même très peu de plats. Et même, ils ont une gamme vegan. Bah en fait, il y avait pas assez pour faire toute une journée. Donc j'ai abandonné un petit peu l'idée. Mais voilà, donc de ce fait là, on va s'arrêter au fait de faire donc une vidéo veggie. Mais tout ça pour dire que j'ai un petit peu galéré quand même dans les rayons. Je suis bien restée une demi-heure avant-hier pour trouver tous ces plats. Dites-moi si vous avez des plats hein, que vous adorez chez Picard. Je me ferai un plaisir de les goûter dans une autre vidéo ou dans un TikTok éventuellement. Et j'ai oublié. Merde, j'ai oublié. Je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé les 2000 abonnés. C'est juste incroyable, je suis super contente. Merci beaucoup. Super contente de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Par contre, quel plaisir d'avoir zéro vaisselle. Picard, je vous aime. Bon, me voilà enfin toute propre. Il est donc 13h et je vais prendre mon dessert. Je pense que je vais rester démaquillée aujourd'hui, juste aller me faire un brushing pour aller faire les courses. Ça, moi, ma peau, elle va respirer un petit peu parce que comme je travaille en boutique, hier, je me suis maquillée. Je travaillais pas, mais je me suis quand même maquillée. Et je me maquille quasiment tous les jours alors qu'avant, c'était pas le cas. Donc, parti, je vais goûter ça. Donc, c'est ça. C'est une glace végétale. Alors déjà, de 1, j'ai jamais goûté de glace végétale, mais là c'est vanille, caramel, amande caramélisée. Ça a l'air juste incroyable. Donc on va goûter ça. Et il y avait aussi chocolat il me semble. Je sais pas si je vais tout manger parce que ça a l'air quand même bien grand. Bien ouvert 10 minutes avant et malgré tout ça a l'air bien dur. C'est incroyable. Ce lait de coco. Alors je reviens là-dessus par rapport au prix surtout. Bonne journée en tout, j'en ai eu pour 20€ pour manger hein, je vous le dis déjà. Pas sûr qu'en termes de rentabilité, voilà ça aille. Je sais pas combien mes repas me reviennent chaque semaine, mais c'est bien moins. Parce que là, si on prend 20€ x 7, c'est bien moins que 140€. Donc après, je me fais plaisir. Petite glace. Trop bon. Trop, trop bonne. Validé. 100% validé. Bon, j'ai bien avancé sur le montage de la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Donc je pense qu'il est temps de prendre le goûter. Et je vais être très très critique. Ils ont fait en ce moment, ils sont en offre. En tout cas, ils sont en période USA. Et il y avait un cinnamon roll. Alors j'ai vérifié, je peux bien le mettre directement au micro-ondes. Mais pareil, ils avaient plein de produits qui me donnaient trop envie. Mais qui ne correspondaient pas forcément. Il y avait aussi un burger veggie. J'avoue que ça, j'ai eu un petit peu peur de le prendre. Et même, j'en ai pas forcément envie, mais ça avait l'air très bon et il y avait aussi plein d'autres choses. Par contre, que ce soit dans cette catégorie-là ou pas, c'est ce que je vous disais à midi, il y a beaucoup de viande. Donc voilà, bref, on va y aller. Bon, j'ai fait un brochu, j'ai l'impression de ressembler à un champignon. Et oui, je suis en mode pyjama. Hein. Ah, c'est 30 secondes au micro-ondes, j'ai coûté 3 minutes. Ah, on peut le mettre au four pendant 5 minutes. Je pense que je vais le mettre au four, ça va être carrément meilleur. Enfin, au four, je vais le mettre au air fryer. Pas un peu de sale gueule. Hein.
pas du tout si ce que je fais c'est bien, mais... Toujours je dois me mettre par terre. Me voici sur le sol. Ça va pas du tout le brushing en fait. Pas maquillée, je trouve ça horrible. Putain, il y a un truc qui est bloqué. Alors je me suis fait un petit café. Et j'en profite en même temps pour vous parler de ça. Parce que vous voyez, filmer cette vidéo, à chaque fois je pense être bien psychologiquement pour le faire. Et j'ai hâte et je suis trop contente de la faire. Et après je culpabilise parce que sur les emballages, il y a les calories partout. Vous en parlez la semaine dernière. Et donc là ouais, c'est un petit peu compliqué, mais bon, j'essaye d'être plus forte que ça, et justement de me forcer à faire ce type de choses, alors c'est trop bon. On sent bien le sucre et la cannelle. Faut vraiment que j'aille genre dans une bonne boulangerie, sur l'île ou à Paris quand j'y passe, pour goûter un bon cinnamon roll, mais vraiment genre insane quoi. C'est vrai que j'ai jamais goûté, je goûte à chaque fois des trucs un peu, j'en ai fait moi-même, j'en ai goûté une fois au Starbucks. Pas, voilà, je pense qu'il y a mieux à faire. Je crois qu'il y a une briocherie sur l'île. Peut-être qu'il y a moyen que je trouve ça là-bas. Trop bon, je suis trop contente. Bon, je vais me lever, je vais me mettre dans le canapé parce que j'aurai moins mal au cul en étant assis dans le canapé. Et je vais terminer le montage. Je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer, mais j'ai l'impression de pas avoir filmé très longtemps. Mais comme il n'y a pas de préparation, etc., j'aurai pas beaucoup de cuts. Donc je vais pas non plus trop parler parce que j'ai tout le temps peur que ce soit trop court et finalement c'est trop long. Et après comme ça, je vais terminer ma vidéo. Bon, nous voici déjà le soir, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors j'ai déjà sorti ça et il y a aussi autre chose qui est déjà en train de cuire, je vous montre. Alors j'ai pris ça qui est déjà en train de cuire, par contre j'ai pris ça de base pour les protéines, mais en fait je viens de m'en rendre compte que c'était pas très protéiné et en plus ça sent la friture, que je suis dégoûtée, mais bon, on va quand même goûter. Et j'ai pris ça, alors c'est céréales asiatiques, riz, légumes cuisinés au lait de coco et curry. Alors ça me donnait trop envie. J'ai l'impression qu'il y a des champignons, des carottes et des pois gourmands. Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le mettre directement dans une assiette pour que ça donne un petit peu plus d'envie. Je vais faire chauffer, mettre directement les petites boulettes dans l'assiette. Je vais manger, je vous récupérerai seulement après pour faire le point et vous faire un bilan total sur la journée. J'ai clairement des choses à dire sur cette journée. Alors c'est pas la première fois que je fais un je mange picard pendant 24 heures, mais c'est vrai que j'avais pas vu les choses de cette manière là. Ben j'ai faim en fait, après mon petit déjeuner ce matin j'ai eu faim. Après mon repas de ce midi ça a été parce qu'en fait je suis partie faire les courses etc. Quoique je dis n'importe quoi. Excusez-moi, on passe aspirateur en même temps. Ben. On disait quoi que je dis ça, mais après être revenu des courses, mais en fait j'avais déjà envie de manger mon goûter. J'ai retenu et je me suis dit, bah allez Lizzie, tu vas quand même attendre, tu vas quand même attendre. Donc c'est pour ça que je me suis mis à fond dans le montage. Donc en fait si, j'ai faim et je crevais la dalle avant de manger mon repas là et là je suis pas rassasiée. Je suis clairement pas rassasiée, surtout le riz là avec les légumes, en fait il manquait clairement de légumes. Je pense que c'est ça, il manque beaucoup de légumes. Le riz je pense en quantité, je sais pas trop ce que ça représentait, mais ça allait encore je pense. Les petites boulettes finalement c'était pas dégueu, ça allait, mais ouais. C'était quand même bien frit, je le sentais. Sinon, je pense que oui, en termes caloriques, je suis bien au-delà de ce que je devrais manger. Mais c'est pas du tout dans le sens où j'ai envie d'orienter cette vidéo. C'est vraiment dans le sens où, ben, je trouve que les quantités, c'est quand même juste. On peut manger un plat picard, on va dire, une fois dans la journée pour dire de gagner du temps. Mais faire un 24 heures intégral, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est pour ça que la prochaine fois, je fais un picard parce que c'est le genre de vidéo que j'adore tourner. Mais je pense que je le ferai, mais d'une manière autre. Je vais voir comment je peux tourner la chose, mais là je pense que je vais manger un petit peu de mangue ou quoi pour essayer de me rassasier avant d'aller dormir, parce que là c'est un petit peu complicado. Je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. En tous les cas, quand même, les produits que j'ai préférés, j'ai bien aimé les gaufres, moussis salé, beaucoup aimé le cinnamon, la glace ça va encore, mais je pense que mon ouais. Les repas salés n'ont pas été de... Voilà, c'était pas dégueu, mais c'était pas extraordinaire non plus. Mes gros coups de cœur quand même pour le cinéma. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok, comme d'habitude, à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Surtout si vous regardez régulièrement mes vidéos et que ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao !